plaît pour les trois premières qui nous rejoignent désormais donc au titre de ce premier podium accompagné eh bien, par nos plus jeunes avec les couleurs de Cholet ici à la maison, l'UC Cholet 49 nous rejoignent également eh bien sur ce podium protocolaire nos amis, les élus et personnalités avec monsieur Gilles Bourdoulex, maire de Cholet, président de l'agglomération du Choletais et de Marie-Françoise Potreau, vice-présidente de la Fédération Française de Cyclisme. Merci également à vous pour votre présence pour cet instant protocolaire. Mesdames, Messieurs, termine la troisième de ce championnat de France contre la montre individuelle élite femme, médaillée de bronze. Vos applaudissements pour Séverine Kerbol de l'équipe Cofidis, comme l'an passé, qui prend la troisième place, qui va être saluée donc par M. Gilles Bourdoulex, maire de Cholet et président de l'agglomération du Choletais, et qui récompense effectivement donc Séverine Kerbol au titre de la troisième place. On va ensuite effectivement eh bien, enchaîner cet instant protocolaire en accueillant celle qui prend la médaille d'argent. Elle avait connu la médaille d'or. Elle sera donc deuxième cet après-midi de ce championnat de France 2022. Elle représente l'équipe TSM. Vos applaudissements pour Juliette Labousse, médaille d'argent et vice-championne de France. Félicitez et saluez à nouveau par M. Gilles Bourdoulex, maire de Cholet et président de l'agglomération du Choletais, deux acteurs incontournables de ce rendez-vous sur ces championnats de France. Et dans plein cadre, vous la voyez avec le maillot bleu, blanc, rouge et la médaille d'or autour du cou. Elle remporte aujourd'hui son sixième titre national dans la discipline du contre-la-montre individuel pour l'équipe Trek Segafredo, Audrey Cordon-Rago, championne de France, à nouveau pour la sixième fois. Après 2015, 2016, 2017, 2018 et 2021, elle va être saluée par Marie-Françoise Potreau, vice-présidente de la Fédération Française de Cyclisme, qui salue Audrey Cordon-Rago, donc championne de France, à nouveau du contre-la-montre individuel. Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît, après les applaudissements du public de Cholet, en l'honneur de la championne de France 2022 du contre-la-montre individuel élite femme, écoutons tous ensemble l'hymne national. Marie-Françoise Potreau, vice-présidente de la Fédération Française de Cyclisme. Restez avec nous encore un instant, s'il vous plaît, puisque